الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، we continue avec l'explication connaissance qui nous profite avec Ibn Taymiyyah rahimahullah, chapitre Nu'aqida de Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous faisons un aspect concernant Istiwa Allah. Allah est au-dessus, le haut trône, Uluwullah. Allah est élevé là-haut, tout bonne créature. Alors parmi ces certaines fines pour résoudre l'aqida, il y en a dans le Coran et le Hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala li là-haut l'échelle. Alors, vous êtes fin reset sa aqida là, sous prétexte, nous pas capable accepter qu'Allah est dans l'échelle. Nous pas capable accepter qu'Allah est dans l'échelle. Alors, n'importe qui connaît qui sa reposition fils sa main, fin servie dans l'échelle. Et en vérité, dans la langue arabe et dans le Coran même, fin fait un mention fils et qui peut faire référence qui était là-haut. Parce qu'il roufil ardi. Et moi, c'est fil ard dans la terre. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ça? Puis la terre rentre en mars en deux, non? Mars, l'eau, la terre. Mars, l'eau, la terre. Alors, comme ça, même dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Amintum, Manfis Sama. Est-ce que vous êtes sentis en sécurité contre celui qui dans l'échelle? Et si dans, c'est pas dans, et si dans, c'est l'eau, celui qui l'eau, l'échelle. Alors, bana ban bidati zot fin reset sa vérité là sous prétexte nous pas qu'à dire qu'Allah est dans l'échelle. Nous dire ça nous dit Allah est dans l'échelle d'une façon qui comment dire Allah est dans l'échelle. Zame nous dire qu'Allah est dans l'échelle comment dire l'échelle plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ben la personne qui dit ça Allah est Allahu akbar, Allah est plus grand. Les plus grands qui tout ce ban créature comment dire Allah est dans un seul أن سو كرياتور ابن تيمية رحمه الله ليجيا ومن توهم أن كون الله في السماء أو أن السماء محيط أن السماء تحيط به أو تحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه. Celui qui croit que Allah le l'échelle, Allah le l'échelle, veut dire l'échelle finant tout Allah et finant globe Allah et de tous côtés, et qui l'échelle fin renferme Allah, c'est-à-dire Allah l'y entend, alors il y a une mentir. C'est lui qui peut faire croire, c'est ça, signification. Allah l'eau, l'échelle, et dire, il y a entouré par l'échelle, il y a renfermé par l'échelle, il y a une mentir, c'est lui par rapport à ça, de qui qu'elle. Il y a personne qui va dire, comment il y a rapport à ça? Il y a personne qui dit ça, comment il y a rapport à ça, il a menti, et s'il vient adopter ça, il peut croire, il peut comprendre ça comme ça, il est égaré, parce que ça, ce n'est pas une petite chose qui, le Coran et le Hadith fin enseigne. Alors, est-ce qu'il nous dit qu'Allah est dans une place ou une direction? Alors, ça aussi, c'est un argument qui est inventé pour résoudre le Coran et le Hadith. Et quelque chose qui nous met à comprendre, qui a créé tout salaf, pena ban entre l'explication là-dedans pour venir à un résultat. Aqida man salaf c'est Coran fin dire ça, Hadith fin dire ça, Sahaba fin dire ça, correct. Ça même tout. Concernant est-ce qu'Allah lui élevé le trône, avec Coran fin dire, Hadith fin dire, Sahaba fin dire, correct. Fin met un point, n'arrête pas la même. Tandis que Bidati, lui il pas arrête là, lui vient avec ce ban logique. Avec ce bon argument qui l'y avancé, si nous dire Allah l'y là-haut c'est une direction. Et direction c'est une créature d'Allah. Tout qui soit à quoi Allah c'est créature. Et quand direction c'est une créature d'Allah, Allah pas qu'à dans direction et Allah n'a pas qu'à dans son créature. Allah pas qu'à dans son créature. Qu'il soit allé embrouiller, qui veut dire ça? Qu'il soit ça, c'est nous laisser comme moi, qui veut dire ça? Allah n'a pas d'indirection. Quoi dire? Vraiment, d'une langue qu'on nous dit livrée, d'une langue qu'on nous dit
l'hypophos. Aku sakit ban salaf, dia nun explique ça. Ban thème qui n'a pas dans le Coran, n'a pas dans le hadith. Nous pas se dire oui, nous pas se dire. Nous pas se dire non. Nous demandons qui t'a oulé dit à part ça. Qui t'a oulé dit à part ça. Allah n'est pas capable d'une direction, n'est pas capable d'une place. Qui t'a oulé dit à part ça. Si je dis non, il n'est pas possible qu'Allah donne une place. Je dis oui, vraiment. Il n'est pas capable qu'Allah lui donne une place. Allah donne une direction, il n'est pas possible qu'Allah donne une direction, comme on dit, il donne une place. Je dis oui, ce n'est pas ça. Il ne pas croire dans cette chose-là. Mais si il veut dire, nous n'avons pas le droit de dire Allah donne une place, nous n'avons pas le droit de dire Allah donne une direction, et sur l'implication, c'est. Nous n'avons pas le droit de dire Allah le haut l'échelle. Parce que quand nous pouvons dire Allah le haut l'échelle, le là où se bat une créature, veut dire Allah dans une direction, veut dire Allah dans une place, il n'est pas dans une direction, il n'est pas dans une place. Alors, ça, c'est l'argument qui est finalement depuis l'esprit. Dans le Coran, il y a une place, Allah finit dire Allah n'a pas d'une place. Dans le Coran, dans le Hadith, une mention, Allah n'a pas d'une direction. Non. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait signe à Allah, il fait signe qui était vers l'échelle. Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Déjà dans Hajjatul Wada, quand il fait demander est-ce qu'il m'a fait halballagh, est-ce qu'il m'a fait transmettre le message. Le sahaba qui dit oui, nous témoigner qui au fin propose, transmettre le message. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Allah, témoin, le témoignage, ben, sahaba, qui je fais un témoin en mon faveur, qui me transmet le message. Oh Allah, témoin, oh Allah, témoin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un signe qui dit, vers l'échelle, veut dire d'une direction là-haut. Alors, nous dire, là-haut, c'est toute chose qui existe comme créature, c'est créature. Ensuite, après créature, Allah li ena Allah. Allah li là-haut ban créature. Allah li au-dessus de ban créature. Le même tout. Nous, dans le Coran et le Hadith, Allah li au-dessus de ban créature. Et ça, comme on nous déjà expliqué, en vérité, bidati, li, ce problème, c'est les besoins crasse à tête Wahhabi. Ce problème, c'est les besoins crasse à tête Wahhabi. Quand les types, pire bré lui, quand il dit pire bré lui, qu'il dit, toi bré lui, tu ne peux pas croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve Allah à l'occasion des mi'raj. Comment, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a questionné, est-ce que vous trouvez un rab à l'occasion des mi'raj, qu'il dit, nourun anna ara, finina un lumière, un nour, comment vous pouvez trouver? Il dit, il fait référence à qui était le prophète, il fait référence à voile Allah, hijab, qui est en nous, comment vous trouvez bon. Ça veut dire en général, le sunna, il y a divers anges, là, par exemple, salaf, concernant, il trouve Allah avec ce léger, avec l'été, on a fait comme ça. Mais en général, quand nous avons dit Tawhid, d'Amoris, Sunna Jamaat, d'Amoris, Brelui, d'Amoris, Brelui, tout le temps, dit, les prophètes ils trouvent Allah à l'occasion des mi'raj. Les prophètes ils trouvent Allah à l'occasion des mi'raj. Et tout le temps, Tawhid qui dit, non, on va en trouver, non, on va en trouver. Là, il est pire, Brelui. À ce temps, il n'est pas connu, il est venu à Ahbash. Qui fait l'invin Ahbash? Il n'est pas connu qui fait l'invin Ahbash. Il y a une seule raison. Parce qu'il faisait crase à tête. Il faisait crase à tête, Wahhabi. Crase à tête, Wahhabi. Alors, Ahbash, il dit, ça va nous Wahhabi là, je dis, Allah est en place. Place pas appliquée pour Allah, Allah dans une direction, direction pas appliquée pour Allah. Alors, après, lui commence à se dépiler, ouais, toi, Wahhabi, déjà Allah dans une direction, mais Allah, direction pas appliquée pour Allah, direction pas appliquée pour Allah. Correct là. Alors, il dit, toi, après, lui qui te fait une mine Ahbash, ou bien te fait mélange Ahbash avec après, lui, juste pour qu'on m'aille craindre à tes Wahhabi, tu peux pas me trouver qui te le contre, il dit à toi-même là. Quand tu dis, le prophète, il trouve Allah. Quand il te dit, le prophète, il trouve Allah. Comment il trouve Allah? Est-ce qu'il est possible de trouver sans une direction? Comment on trouve ça? Comment il trouve Allah et que Allah, et qui, comment dire, il n'est pas fini dans une direction? Impossible.
Alors, quand je dis à les prophètes, ils trouvent Allah l'occasion du mi'raj, ça dans lui-même les prouve qu'il écrase sa argument qui était direction là. Il écrase sa argument direction là. Alors, pour eux, il n'y a pas de problème, je vais contredire eux-mêmes. Pour lui, il y a des écrases la tête, Wahhabi, soi-disant, nous dire direction, mais place appliquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous redire. Ça t'est en place, ça t'est en direction là, pénalé ni dans le Coran ni dans le Hadith pour affirmer ça ou bien pour nier ça concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ni nous nier, ni nous affirmer. Nous demandons qui te voulait dire pour ça. Si tu veux dire Allah, lui n'a pas d'indirection, veut dire qu'il n'est pas encerclé dans son créature. Je dis oui. Mais si il dit Allah n'a pas d'indirection, veut dire Allah n'a pas élevé le trône, là, il peut faire et rien. Le but est de dire. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه لكل دبعا تكس إلى القرآن الحديث بين ني لا في ماشون إي ني نيغاشون دي سامو ديريكشون لا بين ني أفيا ماشون ني نيغاشون دي سامو ديريكشون بانجي الله دين ديريكشون بانجي الله با دين ديريكشون بانجي ça. Alors quand pandji ne va pas base no aqida lola ne va pas base no aqida lola c'est qu'il fait mange le Coran concernant Allah là il élève le trône c'est qu'il fait mange le hadith Allah il élève le trône ça il est dans Coran hadith clair direction pandji nous pena pour croire ou bien pas croire là-dedans ça qui sera il n'a pas cap ne va pas base no aqida lola alors il dit wa yuqalu lahum ma ta'nun bi anna hadha ithbat lil jiha wal jiha mumtani'a. Alors, nous demandons, qui te peut le dire, quand tu dis que c'est affirme direction et direction, quoi, il n'est pas appliqué pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui te peut le dire pour ça? Alors, ça va dire là qui était, Ibn Taymiyyah rahimahullah, lui enseigne-nous que quand il peut venir avec un nouveau terme, nous devons faire attention, il y a quelque chose qui peut cacher pour dire ça. Il y a quelque chose qui peut cacher pour dire ça. Demande-lui qui te le dit pour ça. Demande-lui qui te le dit pour ça. Alors, je vais dire à Allah, il arada bil jiha amran mawjoudan yuhaytu bil khaliq ou yaftakiru ilayh, fa kullu mawjoudin siwa Allah, fa huwa makhlouqun, wa Allahu khaliqu kulli shay, wa kullu ma siwahu fa huwa faqirun ilayh, wa huwa ghaniyun amma siwa. Alors, si vous le dites, il peut faire référence, vous voyez, par ça, par direction, il peut faire référence à une petite source existante qui peut englober les créateurs. Ou bien les créateurs ont besoin de ça. On va dire, Allah peut besoin sa place là, il peut besoin sa direction là. On va dire, sa direction là, sa place là, il englobe Allah. Alors nous dit, Ali, que n'importe qui petite source qui existe apporte Allah, c'est créature d'Allah. Et les créateurs, Allah est le créateur de tout qui chose apporte des autres pauvres envers Allah. Et Allah il n'a pas besoin de non, il est impossible, Allah est dans son créature. Impossible, Allah a besoin de son créature. Alors je l'ai dit, وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ فَهَذَا صَحِيحٌ سَوَاءٌ عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْجِهَةِ أَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْجِهَةِ. Si par direction, il peut dire, moi, je dis, Allah est dans la direction là-haut. C'est un djimoun, il dit, moi, je dis, Allah est dans la direction là-haut. Il dit, qui te peut dire par direction là-haut? Qui te peut le dire par direction là-haut? Là aussi, quand tu as la tignée, on a bien affirmé. Mais donc, qui te peut dire par la direction avant? Là aussi, il est dans la direction là-haut, on va dire, il y a quelque chose là-haut qui n'est en cercle. Allah, il n'est pas bon. Il dit, mais si. Il peut dire, moi, je dis, Allah est dans la direction là-haut, et il peut dire qu'Allah est là-haut léché, il se trouve séparé de sa création. Alors, dire, c'est qu'il peut dire, là, il est correct. Parole là, il est correct, même qu'il servit les mots direction pour exprimer, ou bien il servit un autre mot à part direction. Alors, il dit direction, il passe à direction, il n'a pas de sens, non? Mais définitivement, ben, il n'y a pas fini, qui pas servi à un salaf qui était nous évite servi. Et il dit encore, il dit, ya Rahmanullah. Et en vérité, il y a une chose qui est chagrinant et en même temps il est comique. Il est chagrinant et en même temps il est comique. Ça va, comment dire, un gros missile qui ahbash, puis envoyé pour crase, comment dire, Aqida, Wahhabi, puis pour tout, quoi, pour tout Wahhabi dans son berceau même. Avant l'inné, comment dire, Bessillah, Ibn Taymiyyah fini, il répond tout ça là.
Ibn Taymiyyah rahmahullah, il vient y répondre cela. Alors, connaît Ibn Taymiyyah rahmahullah dans son époque, qui va dans Alim Tchina, Alim de l'égarement, dans calibre, nous l'époque ou bien calibre dans son époque? Calibre dans son époque, alors il y a un grand, grand Alim dans l'égarement, dans l'époque Ibn Taymiyyah rahmahullah, ben là, je ne suis pas capable, Ibn Taymiyyah fait une ferme sur tous autres labous. Je dis, voyons, tu couillons, il vient une réplique Ibn Taymiyyah. Les bébés ne répètent Ibn Taymiyyah pour quitter. Les bébés ne répètent Ibn Taymiyyah pour un point qu'Ibn Taymiyyah ne répond ça pour la pour 10 réponses. Ibn Taymiyyah, il vient répondre ça pour 10 réponses. Les bébés avancent ça comme un premier argument. Alors, définitivement, quand Timon n'est pas où la vérité, il n'est pas pour trop clair. Alors, je trouve un exemple ici. Il y en a un qui dit ouais, dans place, dans direction, nous pas capables, le tout. Quand Ibn Taymiyyah pas une cause d'eau là. Ibn Taymiyyah rahmahullah une cause d'eau là et il finit explique ça. Le place dit hein, fa in qil huwa fi makan bi ma'na ihatatu ghayri bi wa iftiqaru ila ghayri fa Allah munazzah 'an al hajati ila al ghayr wa ihatati al ghayr bihi wa nahwi dhalik. Alors si quelqu'un dit Allah il a une place et il peut vouloir dire qu'il y en a une autre qui te sauve s'il encercle Allah. Et Allah a besoin d'un autre qui te sauve, nous dit Allah il est pur, il est loin de ça qui te sauve là. Allah ni il a besoin et ni qui te sauve en encercle lui. Alors, si tu peux dire Allah, il a une place, sa place là financière que Allah, ça c'est cool. يا وين أريد بالمكان فوق العالم وهو وما هو الرب فوقه قيل إن إذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق والخالق بائن من المخلوق كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. يا سي بور بلاس لي بي في ريفيرونس ا سي كي لاو لو مون اي سي سي كي لو رب لي لاوسا لاو لو مون. Allons nous dire qu'en peine à accepter créateur et créature, et qu'il est créateur, il est séparé du créateur, bizin qui s'est lié à Vahir, et il y a celui qui peine à nanier la holi. Alors, nous dire, il y a zis créateur et créature, peine à le. Zis créateur et créature, peine à un troisième. Alors, quand il est comme ça, il me tient bien à dire, quand il est comme ça, Allah Rabbul Alamin est créateur. Lilao, tout ce qui te veut dire créature. Lilao, tout ce qui te veut dire créature, et les séparer de tout ce qui te veut dire créature. Lika place, lika direction, lika pas vitesse, lika pas. Regardez qui te vous. Imaginez comme créature, comme création d'Allah, Allah, il est élevé, il est au-dessus de tout ce qu'il appelle créature. L'autre, c'est qu'il appelle Ulul Makan. علو المكان c'est se rend élevé, se rend élevé. Par exemple, nous dire ça dit mon là se rend bien élevé, se rend bien élevé. Est-ce qu'il y a encore toujours paiement sur la terre, mais il commence pas entre la terre et les ciels, hein? Il y a encore toujours paiement sur la terre, se rend élevé, mais pas me dire qu'il y a mis élevé, se rend élevé. Pas veut dire il y a mis là-haut. C'est vrai, pas vrai. C'est vrai, pas vrai. Il y a ça du monde là, se rend bien élevé, bien vrai. Pas veut dire qu'il met là-haut, il y a. Se rend élevé, veut dire il y a un grand valet, un grand. Alors, Bidati dit, quand Allah peut dire, Allah l'y élevé, l'y là-haut. Tout ça là, pas veut dire qu'Allah lui-même l'y là-haut. Veut dire Allah se rend l'y élevé, veut dire Allah se rend l'y élevé. Pareil, je peux comprendre Kajani. Kajani, Kari Kotsizi, Aïs alayhi salam, je te et la verbe Nazala, descend. Alors, je ne redonne pas ici, pas par là. Quand Nazala n'est pas bien implique comment dire descend depuis l'eau, l'échelle. Pas nécessaire, pas bien implique comment dire descend depuis là-haut, depuis. Je ne redonne des places, je ne gagne. Alors, je viens de dire. Verbe nazala pas veut dire descendre depuis là-haut. Verbe nazala pas implique pour descendre depuis l'eau l'échelle. Et Issa l'Islam pour descendre depuis l'échelle, pour la nuzul de Issa, c'est-à-dire nuzul, la descente de Issa, et la verbe nazala dans le Coran, tel place, pour le hadith, pas nécessaire descendre depuis là-haut.
c'est l'esprit. Quand verbe nazala, quand nous get lead à la première vue, que nous trouvons, descend depuis là-haut. Tant parce qu'il, dans certains cas, de certaines circonstances, tant parce qu'il, sa verbe là, il n'est pas nécessaire, comme on dit, veut dire là-haut, en bas, si je ne gagne pas de la façon là. Mais ce qui est à cause que je ne gagne pas de la circonstance, que je peux servir d'une autre façon, veut dire nazala n'est plus veut dire descendre. Ce qui veut nazala n'est plus dans sa signification là-haut, en bas. Non. Alors, comme ça, ici, dans la langue arabe, vraiment, il y a ce qu'on appelle « ulou » ou « al-makan », « sourant élevé ». « Sourant élevé ». Alors, je prends un applique ça pour Allah. « Allah sourant élevé ». Alors, nous disons « Ok, rang élevé dans la langue arabe existe, li bon li. » Mais est-ce qu'il saisit simple cette signification-là? Est-ce qu'il est élevé dans ce simple « ulou » ou « al-makan » dans ce simple? Non. Élevé, Allah, il est au-dessus, il y a toutes les significations « ulou » y compris ulou ul makana, y compris ulou ul makana. Alors, c'est la même qui, Manuel Lama, puis l'explique, qui, nous avons ulou ul makana, Allah ta sura élevé, et nous avons aussi, ulou ul kudra, Allah ta la lina, kudra, li au-dessus de tout, et elle contrôle tout, et aussi Allah ta li même li, ulou, c'est ulou ul dhat, Allah su dhat li, لإلفي الله سودات لإلفي ألو ابن تيمية رحمه الله لجي إن القائل إذا قال هذه النصوص لم يريد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد به بها علو المكانة سكي كان جي بسابان تكس لا بفين وليد أفهم كالله لمام للاو سبان كرياتور Mais finalement, affirme qu'Allah est un grand makan, un grand prestige, un grand valeur. C'est pas Nadia. Oulou, Allah sur Oulou veut dire Oulou, le makana qui nous répond. Fayuqal, là-haut, fakana yajibu an yubayyina linnas al-haq alladhi yajibu tasdiqu bi batinan wa zahira. Bal yubayyinu lahum ma yadulluhum ala anna hadha al-kalam lam yurid bihi. مفهومه ومقتضاه. Alors, pas mal réponse, nous répond lui, celui qui vient prononcer sa texte, sa texte là, Allah, sur la soule, quand il dit Allah lilao, Allah lilao, Allah lilao, alors il est obligatoire pour qu'il explique la vérité à Benjamin. Allah, sur la soule, tu veux en dire. Mais quand on peut dire Allah lilao, Allah lilao, attention, tu as le quoi Allah lilao, tu veux expliquer. Et tu veux expliquer Benjamin la vérité qui est obligé de croire là-dedans, extérieurement et intérieurement. Et tu expliques à Benjamin qui sa parole là n'est pas finoulé, n'est pas finoulé, dire ce qui peut comprendre, délire et ce qui peut impliquer. Nous avons ce mot roulou, roulou, Allah lilao, Allah lilao, Allah lilao. Ok. Quand nous pétons ça, ça terme là, Allah lilao, qui ne peut comprendre, Allah lilao. Alors, tu as dit que quand toi tu veux dire non, là-haut, ici, pas veut dire Allah lui-même est là-haut. Allah est là-haut, veut dire Allah son prestige est bien élevé. Allah son valeur est bien élevé. Alors, tu as dit que le prophète, tu visais, attire-nous l'attention là. Les esquites nous l'offrent dans le coin d'un flou. Allah là-haut, Allah là-haut. Sa phrase, Allah est là-haut. Les capables indiquent qu'Allah l'on se trône, les capables indiquent qu'Allah se date là-haut. Les capables impliquent ça, les prophètes quittent nous l'eau-là, sans dire à nous qu'il ne faudrait pas nous croire là-dedans. Ici, ce n'est pas qu'Allah l'y aime, l'y élevé, mais ici, ce signification qui était Allah se valait à qui élevé. Alors, est-ce qu'il finit une place quand Allah et son Rasoul finit dire attention, je crois, la main, c'est la main, hein? La main, pas la main. Est-ce qu'il y a une place quand Allah sur la soule puis dit attention, je crois, figure, figure, non, figure, pas figure. Est-ce qu'il y a une place Allah sur la soule puis dit attention, je crois, élevé, c'est élevé, non, élevé, c'est pas élevé. Est-ce qu'il y en a qui te sort comme ça, le hadith? Non. Alors qu'à peine comme ça, il dit il n'est pas capable, ce qui va nous faire croire, qui ça va nous dire là, il y a une autre signification. Qui nous vient comprendre, pas sa signification, qui comment nous tendait, nous peut comprendre là. Alors, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les points de malhonnêteté de ce port,
li di c'est amant lo celui qui mo la vie dans solamé c'est amant lo celui qui mo la vie dans solamé li répète ça plusieurs fois li prend malhonnêteté de ce pas qui li peut donner nous l'impression qu'elle est dans la main li peut faire nous li peut diriger nous vers conception qu'elle est dans la main et li pas attirer nous l'attention attention hein je peux croire vraiment non c'est une expression il hein. Tu viens dire attention, tu as quoi vraiment l'aine à la main? Non, c'est une expression. Hein. Et en vérité, cela, les vilains même, les... est-ce qui concerne Allah nous permet nous dire l'aine à la main et qui en vérité n'est pas une vérité, juste pour servir ça comme une expression? Est-ce qu'il est bon pour faire ça? Définitivement non, définitivement non. Alors, comme ça même concerne Allah, il est élevé sur ce trône. Allah, il est élevé sur ce trône. Et dire, est-ce qu'il est bon pour dire ça? Juste, quoi dire? Avec signification, Allah se rend élevé et il quitte nous comme ça même. Nous pouvons croire à Allah lui-même lui élevé sur le trône. Alors ça peut être considéré comme une malhonnêteté auprès d'Allah, une malhonnêteté le prophète envers sa ummat là. Et définitivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous expliquer, lui celui qui Allah t'a fait honorer, lui fini n'a plus beaucoup de connaissances. Les finis n'a plus beaucoup éloquence. Les finis n'a plus beaucoup, comment dire, pitié. Peinasse personne sous explication qu'à meilleur qui sous explication. Les prophètes finis n'a plus beaucoup connaissance. Et n'a quelqu'un qui sous explication qu'à meilleur connaissance, qui explication de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, impossible. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, finis n'a meilleur éloquence. Est-ce qu'il y a quelqu'un sous explication capable, meilleur qui explication de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, non? Les prophètes, ils n'ont plus beaucoup pitié pour ce ummat. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable d'expliquer ce qui a été expliqué? Comment dire? Il a envie de sauver du monde depuis que je vais l'enfer. Plus que les prophètes, dans cette explication, il a envie de sauver du monde depuis que je vais l'enfer. Possible ça? Non, pas possible. Il n'est pas possible. Alors, quand les prophètes, ils n'ont plus de connaissances, ils n'ont plus d'éloquence, ils n'ont plus beaucoup pitié pour ce ummat-là, mais c'est ce qu'il a expliqué, nous n'avons pas accepté de nous suivre. Ce qu'il a expliqué concernant Allah. Nous sommes pour écouter, pour suivre Allah, jour et à ma poupée, sur les pieds de l'enfer. C'est une cause ça. C'est une cause ça. J'ai qui n'a plus connaissance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, il n'y a pas de qui est cause. Il la personne qui n'a plus beaucoup d'éloquence. Il n'a raté un mot à cause ça, il pousse ça là-dedans. En vérité, nous tous nous comme ça. Et bien, qui fait cause, il est son. Parfois, on peut venir, on peut besoin d'une petite chose. Au lieu même bar ou bien au devant micro, mola pas bémini qui vous avez là où. Ou bien fonce un autre mot là-dedans, quoi dire, il est passé. Il est fait normal. Il est fait normal. Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Allah pour poser sur les pieds de l'enfer, dans ce moment-là, il est mort, il n'est pas connu qui mot il peut dire, il est pauvre dans ce moment-là, en ce qui concerne, ban, thème, il nous a juste fonce ça là-dedans. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus connaissance, il n'a plus éloquence, il n'est pas pauvre, et il n'a plus beaucoup pitié. Est-ce que le prophète, il n'a pas fait, moi, dit, ah, c'était si banal, mal comprends, vous avez le croix, là, il a les pieds, vous avez fait pour vous autres, vous avez mal compris, pas dire ça moi. Vous pas nous le dire ça moi. Est-ce que le prophète comme ça? Est-ce qu'il est mauvais comme ça? Vous avez fait, vous autres. Moi, je dis, Allah, pour se lipier, l'on fait une expression, ben, il n'a le croix vraiment, Allah, il a les pieds, mais vous avez fait pour vous autres. Est-ce qu'il est mauvais comme ça? Non. Alors, qu'est-ce que c'est bidati? C'est même qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit chaque bidati obligatoirement il peut désolé au Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Obligatoirement, il peut mal parler au Rasulullah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous disons, le prophète, il est la personne qui a plus connaissance, il a plus éloquence, il a plus beaucoup pitié. Quand il dit Allah, il est là-haut, Allah, il est là-haut. Allah li li là-haut. Les prophètes passent à des gens qui ne peuvent pas connaître qui veut dire là-haut, qui veut dire en bas, qui veut dire place, qui veut dire pas place, qui veut dire direction, qui veut dire pas direction. Les passent à des gens qui ne peuvent pas connaître là, ils connaissent très bien. Il y a des gens qui ont plus connaissance, plus d'intelligence, et Allah t'a fait une donnée éloquence. Il ne peut pas dire qu'il est mort, mort, il est pauvre, il ne peut pas connaître, il est foncé, ce qu'il a gagné, il ne peut pas booster, non. Et les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent beaucoup pitié, ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire, la dent peine, comme on dit, pour le glisse dans les gants, pour le mal comprendre.
سنجمون ليميت بي اسكي لي بروفيت صلى الله عليه وسلم فين فينجيا الو سي سا كي متيميا رحمه الله بيجيا سافان كي بيجا علو المكان متيميا جبي اسكي لي بروفيت بوجان كي تشوز كود كان نو بي تاندي كوم سا نو بي غاي لامبريسيون الله لا او اي لي كيت نو كوم سا ميم سا اكسبليك نو sans faire nous comprendre que non, Oulou, ce n'est pas Allah là-haut, Oulou, c'est Oulou ou le Makana. Est-ce qu'il est possible de prophète quitte nous comme ça? Impossible. Hein? Impossible. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, impossible de quitter nous, l'eau, quoi dire, dans le flou. Le place. Plus grande connaissance qu'il y a le Coran contenir concernant Allah, c'est concernant Allah, son nom et son attribut. Viens nous terminer avec Oulou et Stiwala, d'accord? Là, on pensait, nous pouvons rentrer un petit peu dans Ban Sifat Allah. Ban Sifat Allah. Allah ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit « Le Coran, il y a من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك إجي قرآن ده قرآن quantité fois qu'il fait mention de Allah subhanahu subhanahu attribut subhanahu action quantité qui fait mention concernant Allah, les plus qui, quantité fois qu'il fait mention de manger et boire, et ben plaisir dans la jannat. Il dit, hein, ben ayat qui contenait le mention d'Allah sur ben nous et sur ben attribut, dans sa ben ayat là, dans sa ben ayat là, vous êtes en plus valeur qui ben ayat qui peut cause concernant la résurrection. C'est à cause de la plus grande ayat du Coran, c'est ayat al-Kursi. Ayat qui peut contenir sa quitte sur la vie, qui peut contenir les mentions d'Allah sur le nom et sur l'attribut. En général, comme on va dire, le Coran, ce message, nous avons divisé en trois. Nous avons divisé le message du Coran en trois. Premier, Kunturab. Deuxième, connaît comment pour d'autres. Troisième, connaît qui peut attendre toi si tu perds d'autres ou bien tu vas perdre d'autres. Coran, message Coran, c'est ça trois quelque chose. Il y a des gens qui sont bons comme ça. Surtout quand nous causons avec un café, nous expliquons l'islam. Par exemple, nous mettons l'enfance là. Conte au créateur. Et dans le livre qui nous écrit concernant d'Awa Café, un cadeau de ma forme. Il y a une explication. Qui s'en a ton créateur, qui s'en a ton créateur, le livre bon, nous lira, qu'a fait d'a'wa avec ça. Qui s'en a ton rab, contre rab, Coran, il enseigne une ville pour dire nous, contre rab. Deuxième, connaît comment pour adou ton rab. Et troisième, connaît qui peut attendre. Alors, contre rab, c'est tawhid. Connaît qui, comment pour adou ton rab, c'est ben, la loi. Ben, la loi, ça les pharas. Ça n'est pas haram, le tout. Alors tout ça, il considère comment pour adorer Torah, il y a un chemin qui m'amène pour amener toi avec Torah. Et troisième, c'est qui peut attendre toi si tu fais Ibadat Torah ou tu refuses faire Ibadat Torah. Alors, connais qu'il y a l'amour, connais qu'il y a zizman, connais qu'il y a jannat, connais qu'il y a l'enfer. Dans sa trois là, sa trois messages, laquelle qui est plus important? C'est premier, connais Torah. Tous les trois, il n'y a plus l'islam sans un an, sans trois là, tous les trois bizarres, là où il y a l'islam. Mais définitivement, c'est plus important qu'il fait, parce qu'il peut être le Coran, peut cause concernant qui s'en a. Peut cause concernant Allah lui-même. Quand nous disons, connais Allah, chemin qui va maintenant vers Allah, connais comment faire ibadat Allah, parce qu'on se concerne, ben, ibadat qui insan fait, une action qui insan fait, pour Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, parce qu'on action insan qui va maintenant vers, qui peut faire toi atteindre satisfaction Allah, pour être réaliste, tawhid.
premier, c'est Allah lui-même. Deuxième, action, insan, qui m'a ibadé, qui nous a fait. Troisième, récompense Allah. Récompense ou bien punition Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Gad ibn Taymiyyah rahmatullah, comment il explique ça? Il dit qu'à nous, dans le Coran, comment placer une cause concernant la Jannat? Un plaisir de Jannat, plusieurs places. La Surah Rahman, la Surah Ghashiya, la Surah Naba, plusieurs places. Plusieurs places, Allah fait une cause concernant Jannat. Et bien, une jouissance, un plaisir qui pourrait être dans Jannat. Mais quand nous avons quantité de fois qu'une cause concernant Allah lui-même, sur le nom, sur l'attribut, combien de Coran, le Ghafour, le Rahim, le Aziz, le Hakim, peut cause n'importe qui de chose, peut être une banquette. Un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, à part ce qui fait cause concernant Allah lui-même. Allah est celui qui le crée, Allah est celui. Combien d'ayats du Coran il y a comme ça? Allah est celui qui le crée, Allah est celui. Quand il y a des ayats qui cause concernant Jannat, ayats qui cause concernant, quand il y a des ayats qui cause concernant Allah, qu'est-ce qu'il y a plus? Ayats qui cause concernant Allah. Et il y a déjà une petite chose, quand il y a des ayats qui fait cause concernant Jannat, Jahannam. Alors, ça aussi, quand nous bougetons, il n'est pas capable, il n'a plus de valeur qu'un ayat qui peut cause concernant Allah lui-même. Là, Ibn Taymiyyah, rahmatullah, il montre nous, c'est-à-dire, vérité sa parole-là, comment il prouve vérité sa parole-là, c'est qu'il dit, plus grand ayat dans le Coran. Qui est cet ayat-là, ça? Ayat al-Kursi. Il y a combien d'informations de Allah? Concernant Allah de Saïd. 10. Et là, 10. Parfois, il y a des dépenses, parfois, je ne vais pas expliquer. Mais là, il y a 10. Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز وهو العلي العظيم. ألو من يقرأ explication آية الكرسي؟ نبغى نقص فمتو سيد بالمتي. سلو من explique آية الكرسي؟ سا 10 points 10 informations كنا concernant Allah subhanahu wa ta'ala d'ayatul kursi. Donc ayatul kursi, depuis commencement jusqu'à finition, peut cause concernant Jannat, peut cause concernant l'enfer, peut cause concernant halal, haram. Qui peut causer? Peut cause concernant Allah. Peut cause concernant Allah. Peut cause concernant Allah. Alors il t'aime, rahmatullah, dit, quand les prophètes pédiens, mes plus grands ayats du Coran, c'est ayatul kursi. Et qui ça ayat pas peut contenir, excepté information, l'eau, Allah le pense, ça nous comprend. Qui, en gros, information qu'Allah a fait mettre dans le Coran concernant lui-même, il n'a plus valeur qu'une information qu'Allah a fait mettre dans le Coran concernant qui était? Concernant Jannah, Jahannam, halal, haram, ou bien, concernant une créature, par exemple, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayatul Kursi, tous les deux, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les deux, c'est parole Allah Rabbul Alameen. Tous les deux, c'est des ben, ayats qui font partie du Coran. Mais, entre Ayatul Kursi et Tabbat Yada, quelqu'un a pris valeur Ayatul Kursi. Parce que qui fait Ayatul Kursi, c'est cause concernant Allah, Tabbat Yada, Abi Lahab, Wata, c'est cause concernant Abu Lahab. Donc, on t'envoie un constitut, je n'ai pas lié sa surah là. Vous savez? Pas lié sa surah là. Dis-moi, je dis, comme ça, comme ça, je dis, pas faire mon. Pas prendre nos dajjal dans la scène de casse. C'est vraiment une petite chose qui n'est pas vrai. Alors, ce qu'est comment, ben ulama, vraiment, Allah Ta'ala, fin de notre. Ce qui appelle la compréhension dans l'islam. Le lien important qui nous profite avec connaissance que Manu Ulama fin donne la connaissance qu'Allah ta'ala fin donne Manu Ulama il nous profite avec sa bonne connaissance là. L'autre place Ibn Taymiyyah rahmatullah
explique Allah les compte en celui qui compte en fait mention de subhan attribut. J'aime Allah dire en Allah yuhibbu man yuhibbu dhikra sifatihi. Allah les compte celui qui compte en fait mention de subhan attribut. Et ça c'est bazar le hadith. Quand tu n'as jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu me dis comme un amir. Et à chaque fois qu'il termine son salat, il termine par le tchakidi, قل هو الله احد. Alors quand les prophètes banafin min rapprocha les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait des mani, pour quelle raison tu termines pas قل هو الله احد قل هو الله احد. Alors il dit ça sourate là parce qu'on se concerne à Allah, et quand même content lié à ça sourate là, il pas dire قل هو الله احد la salat qui fait parce qu'il simple écoute il a du monde la pas sacra namaz quoi, sac namaz il dit قل هو الله احد inna atayna. Qui fait? Parce qu'il compte قل هو الله احد. Non, pas parce qu'il compte قل هو الله احد. Parce qu'il dit les plus courts. Tandis que ça, sahabi, je peux lire sur une surah, ensuite il termine, il dit pas قل هو الله احد. Parce qu'il est content. Sa surah, il comprend le contenu de sa surah là. Et là, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, quand sa sahabi, il est content, les prophètes disent, mais connaît qu'Allah, il est content, informe qu'Allah, il est content. Alors, quand nous sommes contents, pour apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu, subhanahu attribut, nous pouvons apprendre, nous pouvons tirer les temps. Alors, connaît qui en vérité, ça c'est un moyen pour qu'il nous gagne, nous atteindre satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah Rabbul Alamin il est content. Alors, c'est ça un petit peu l'explication de Bazoudi. Subhanakallah wa bihamdik. Inch'Allah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Yallah.